to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Oh-oh, oh-oh. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you weren't near. I cannot pretend that I do not care. Oh-oh, I keep asking why. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes vendredi. Je vais vous parler très rapidement de mon maquillage puisque je vous l'ai montré ce matin. J'ai utilisé une base pour les cils avec une brosse recourbée qui permet de revitaliser les cils et de préparer en fait le cil à recevoir du mascara pour avoir un rendu vraiment canon. Et ensuite j'ai utilisé le 4D de chez Unique. Il est vraiment top, c'est un mascara qui permet vraiment d'avoir du volume, de la longueur et de faire un effet faux cils. C'est fou les cils qu'il fait, il fait vraiment des cils hyper longs, hyper épais. Je les trouve trop jolis, ça permet de vraiment bien mettre en valeur votre maquillage. Et du coup je me suis maquillée avec la palette Addiction Moodstruck Shadow Palette 2 avec des tons un peu gris, noir, voilà, vraiment des tons un peu comme ça. Ça permet vraiment de faire un joli smoky par exemple, ou là un maquillage un peu plus léger. Je l'ai pas trop marqué puisque c'est un maquillage de journée, et puis en plus j'ai mis à la fois les yeux et à la fois les lèvres. Et j'ai également utilisé du coup le crayon noir pour mettre un tout petit peu ici vers la muqueuse. Voilà, ça va permettre de faire ce maquillage au niveau des yeux. Je vous mets les liens dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir, c'est ma boutique en ligne. Donc voilà. Bon, hier Romain a emmené Elias du coup chez le médecin pour avoir des rendez-vous avec l'orthophoniste. Il lui a également donné un rendez-vous avec l'ORL, c'est ça hein, Romain? Oui, c'est ça. L'ORL pour vérifier un petit peu tout ce qui se passe au niveau du langage. En tout cas il va pouvoir faire un bilan, etc. Tous les rendez-vous vont être pris là, ça va se faire assez rapidement. Elias, ça fait 2 jours qu'il veut pas du tout aller à l'école, qu'il fait des grosses colères, même plus que ça. Enfin, il y a des journées où ça va, puis il y a des journées où vraiment, genre même le matin, on a du mal à l'habiller parce que c'est un peu compliqué, il a vraiment pas envie d'y aller. Donc je sais pas ce qui lui arrive, c'est vraiment du tout au tout, ça dépend des périodes. Mais là c'est une période où il a pas du tout envie de se rendre à l'école. Du coup on galère un petit peu à ce que le matin ça se passe dans la sérénité, parce que bah il veut pas s'habiller, donc on essaye toujours d'être positif et essayer de le faire s'habiller, etc. Mais en ce moment c'est vraiment pas facile, il a vraiment du mal, il veut vraiment rester avec nous, donc voilà, ça me fait un peu de la peine. Et hier c'était l'anniversaire de cette grande personne. Et oui, qui devient j'ai 28 vieux. Ans, je suis plus proche de la trentaine. Bon bah ça y est, il vieillit ce monsieur. Oui, oui. Non mais plus sérieusement, on vous a pas fait de vlog d'anniversaire parce que Romain a pas, on était en pleine semaine, Elias avait l'école, on avait du travail, donc on n'a pas vraiment fêté son anniversaire hier. On fera ça un week-end. On fera ça un autre jour, on fera une belle journée d'anniversaire digne de ce nom. Oui, déjà ton bon massage. Voilà, tout à fait. Il a juste eu ce petit cadeau et une petite figurine Dragon Ball Z de la part ouais, de Juju. Ouais, que j'ai eu par mon frère. Elle est trop belle d'ailleurs. Ouais, tu la montres? Ouais. Black Goku. C'est Zamasu.
Voilà. Voilà, Romain est fan de Dragon Ball Z depuis toujours. Il collectionne les figurines, il collectionne les pop. Voilà, il adore les mangas. Vraiment, c'est tout son univers à lui, les jeux vidéo, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à le rejoindre sur Instagram. C'est éternel son truc. Ouais, même s'il n'y a pas encore trop de choses sur le sujet, mais j'ai fait quelques petites photos sympas. Et... Ouais, voilà. En fait, il a comme projet de vous faire vraiment découvrir son univers, faire des petites photos lifestyle, de vous montrer un petit peu toutes les décos de décoration sur le thème avec les jeux vidéo, vous faire des petits IGTV jeux vidéo, des trucs comme oui, ça. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis je me passionne aussi pour la photographie. Du coup, bah, quand on aura un peu le matériel, je vous ferai de jolies photos de paysages, des couchers de soleil, des levées de soleil, des choses comme ça. C'est vrai que chouette. Voilà, il adore ça et ça le passionne en ce moment. Donc, il manque plus que le matériel et un petit peu plus de formation et ça ira. On est en train de préparer l'arrivée de notre petit lutin qui s'appelle Jeff. Il était déjà là l'année dernière. Cette année, il a décidé de revenir encore une fois. Mais cette fois-ci, je crois qu'il va être très coquin. Ouais, il a prévu de faire quelques bêtises. Alors là, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Celui-là. Ouais, va falloir être très très patient parce que je crois qu'il va nous faire de sacrées bêtises, ce petit coquin de lutin. En tout cas, on va avoir une nouvelle lettre du Père Noël, cette fois-ci dans notre jolie boîte aux lettres. Donc on a hâte de voir la réaction de Elias. Bon, tout à l'heure, on a eu contact avec notre network. C'est les personnes qui s'occupent de notre chaîne YouTube, qui permettent de la protéger des droits d'auteur, etc. Donc c'est plutôt chouette. Mais on a eu contact avec elle concernant un petit peu les nouvelles lois. Il semblerait que la loi COPPA soit complètement dissociable de la suppression des commentaires. La suppression des commentaires permettrait du coup de protéger les mineurs. Et la loi COPPA interdit de présenter des pubs aux mineurs, donc c'est complètement apparemment différent. Pour l'instant, notre chaîne n'a pas été encore complètement caractérisée comme une chaîne destinée aux enfants, ce qui fait qu'on ne devrait pas, peut-être pas avoir d'autres restrictions. Il faut attendre janvier, mais on voulait être sûr parce qu'en fait ils n'ont pas toutes les informations nécessaires, notre network, ils sont un peu dans le flou aussi. Pendant toutes ces mois, on leur a posé des questions, ils n'avaient pas trop su nous répondre, etc. Donc ils ne savent pas eux non plus exactement. En tout cas, ils ont quelques informations qu'ils ont pu nous transmettre. Là, on va leur transférer le mail qu'on avait reçu de YouTube pour qu'eux puissent se renseigner aussi. Pour le moment, on n'arrête pas les vlogs. C'est vrai qu'on ne vous poste pas beaucoup de vlogs en ce moment parce qu'on n'a pas grand chose à vous raconter. Mais là, bientôt, on commence les vlogs masse. Donc on a plein de trucs à faire, des petites activités super chouettes, hyper sympa. Et c'est vrai que là, c'était un peu le Black Friday, il y avait pas mal de choses à faire au niveau des campagnes, donc on était un peu, on avait beaucoup de choses à faire en termes de campagne, en termes de boulot. Donc là, ça commence à se calmer, donc on va pouvoir reprendre doucement les vlogs et ça va être plutôt chouette. On a prévu plein de petites activités, justement Elias, dans son calendrier de l'Avent, il a des chouettes activités, donc on est super content de vous présenter tout ça. Je pense que ça va pouvoir aussi vous donner des idées à vous pour créer des petites activités avec vos enfants. Il y a Jeff qui nous a contacté aussi et il a prévu de faire quelques petites bêtises. Et je pense que ça va bien vous faire rire. On va rigoler les gars, mais vraiment. J'ai écrit 24 bêtises que j'ai envoyées à Jeff. Hein. Oui, parce que je voudrais que Jeff fasse ces bêtises-là. Ça pourrait être très rigolo. Des petites blagues, on l'a mis au défi ce Jeff. Oui. Non mais allez voir, ça va être très marrant. Donc il y a plein de petites choses qui vont être très très chouettes là durant le mois de Noël. On va essayer de vous faire une vidéo par jour sur la chaîne, en tout cas de vlog. Et on continue du coup les vidéos face caméra, des vidéos un peu... voilà. Et il y a aussi la chaîne ASMR où j'ai publié une vidéo ASMR qui sera sur le thème de Noël. Et j'ai trop hâte de vous la faire. Vous imaginez même pas comme je suis au taquet. Je suis juste trop impatiente, moi qui adore le théâtre, faire des poésies et tout. Enfin, moi, je suis à fond là. Je vais vous faire un truc, je vais vous faire une pièce de théâtre en ASMR. Ça va être canon. Vous allez rigoler. Vous allez être dans la magie de Noël, vraiment. Ouais, un roleplay comme Romain il dit. Isis qui est en train de faire des calinous à son papa là. Voilà, Isis qui est en train de faire des calinous. Elle réclame les calinous d'amour. Oh ouais. Ah ouais, ça y est. Calme dans le canapé, bah ouais. Petite coquine là. Doucement. Elle est brusque. Elle faisait tout le temps ça. Au début avec doucement. Eden, elle était brusque. Doucement. Puis à la fin, elle commençait à poser doucement sa tête. Mais c'était dur, dur. C'est pour ça que vous n'avez jamais vraiment vu Eden avec Isis. C'est vrai qu'on a tendance à dire que pour les enfants handicapés, etc., bah, les chiens c'est bien et tout. Mais il détestait, ah ouais. Enfin, il aimait bien quand elle était douce. Quand elle posait sa tête tout doucement. Et qu'elle faisait des petits bisous tout doucement. Mais là, sinon, quand elle est assez brusque. Ah, ça, c'est ma grosse fifille.
Voilà. Regardez dans les positions qu'elle se met. Oh non, je vous jure, quelle coquine. Quelle coquine. C'est belle. Oh, elle est belle. Oh. Et ouais, voilà. Voilà, t'es belle. Mais elle s'assagit quand même en vieillissant, hein. Bon, Romain a échangé Kali contre la Nintendo Switch, son cadeau d'anniversaire. Ouais, mais bon, je vais bientôt repasser sur la PS4 parce que j'ai bientôt fini. Encore t'as déjà bientôt fini? Deux heures et j'aurai fini le jeu. T'es sérieux, en deux jours? C'est pas possible. Mais tu sais très bien que les jeux Pokémon, c'est répétitif, c'est toujours la même chose. Oh là là, tout ça pour ça? Je retombe en enfance pendant deux jours, c'est déjà bien. À savoir qu'à chaque période de Noël, je recommence à un ancien jeu Pokémon. Et souvent, je le termine très rapidement, mais bon, ça me rend nostalgique. Quoi. Bah, il a fait. Alors attendez, il reprenait pas juste sur la Nintendo Switch. Non. Il a fait la DS, il nous a fait la Game Boy Color, ouais. La Game Boy Advance. J'ai encore les anciens jeux Game Boy Color avec la boîte Pokémon rouge et ouais, tout ça. Ouais, et le mec, pendant un moment, il était tellement fan des jeux Pokémon, il allait dans les vides-greniers, enfin les brocantes, etc. Et qu'il cherchait toutes les belles boîtes neuves pour les avoir en collection, et en fait. Il a pris de la valeur au fur et à mesure des années. Et le pire, c'est qu'il y a certaines cassettes où quand je voulais rejouer avec et pas utiliser les boîtes, j'ouvrais les cassettes et changeais la pile parce que la pile, c'est ce qui sert à la sauvegarde. Et puis, je rejouais avec. Il allait même sur le Bon Coin pour chercher tous les jeux. D'ailleurs, il nous a fait dépenser de l'argent avec ça il y a une année. Il nous en avait acheté plusieurs. Mais genre, puisque les jeux avaient pris de la valeur, que les boîtes étaient nickel, elles étaient plastifiées et tout pour pas les abîmer, et ben, ça coûtait le prix d'un jeu récent, en fait. Et ouais, c'est ça. Mais là, je pense que d'ici encore 10 ans... Elle est belle, ta petite collection quand même, hein, là. Ouais, mais de toute façon, j'ai pas l'intention de les revendre, moi je les garde. C'est bah, tu pourrais les continuer aussi, ta puis collection. J'ai l'intention aussi de jouer avec Elias quand il sera plus grand. Ouais, il m'a dit, dès qu'Elias est plus grand, je lui refais refaire tous mes jeux, je lui refais tester tout. D'ailleurs, je crois que t'aimerais bien racheter les premières consoles de jeux, etc. Les Game Boy et tout ça, ouais. J'aimerais bien aussi trouver une Nintendo 64, ça peut être cool. Et sinon, je vous ai pas parlé des Effluent, c'était un peu riche en émotions pour moi, je m'y attendais pas du tout, mais finalement j'ai ressenti un gros moment de stress, j'ai eu du mal à profiter de ma journée, parce que lors des derniers Effluent où je suis partie, c'était l'une des premières fois où je laissais Eden à Romain tout seul, et vraiment je sortais pas beaucoup, c'était l'une des premières fois où je partais finalement, et Eden nous a quittés le lendemain, du coup j'ai revécu un petit peu cette journée assez compliquée. Je me suis dit, même si c'était pas dans la même période de l'année, j'ai eu l'impression de revivre un peu ma journée le lendemain, comme si je vivais ce jour-là, enfin moins intense, mais en tout cas au niveau des émotions, je me sentais pas bien du tout. Je m'en suis beaucoup voulu de ça après le décès de Eden, d'être partie sur Paris. Voilà, je m'y attendais pas du tout à ce que ça arrive le lendemain, et je m'en suis beaucoup voulu. J'en ai beaucoup parlé avec Romain, qui m'a pas mal aidée à ne plus m'en vouloir et voilà, à accepter que les choses se soient passées ainsi. Et ça a été pas mal compliqué pour moi, j'avais vraiment le cœur très très lourd et j'ai eu l'impression de revivre un petit peu tout ça, du coup j'ai eu un peu de mal à profiter, ça m'a donné un gros coup de barre, gros coup de fatigue où j'ai pas, du coup j'ai eu du mal à profiter de l'instant présent alors que d'habitude on vit à fond les choses. Et là, c'est vrai que j'ai eu du mal à profiter de l'instant présent avec ces émotions-là. Je pense que la première année, elle est souvent la plus difficile. Et c'est pareil, là, pour Noël, etc. Il y a plein de choses qui nous font un peu de peine et que c'est un peu difficile les premières fois. Là, on a envie de retrouver un peu la magie de Noël, on veut faire les marchés de Noël. C'est vrai que dans le sud, il n'y a pas grand-chose. Vous allez à La Ciotat en période de Noël. D'ailleurs, je vous conseille pas de venir en période de Noël. Il fait très bon, hein, il fait 17 degrés aujourd'hui. Pour ça, c'est plutôt agréable. Mais il n'y a pas d'illumination de Noël, c'est pas décoré. Enfin, c'est pas... Voilà, on sent pas la magie de Noël. Il n'y a pas beaucoup de marchés de Noël, d'événements de Noël. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Voilà. Du coup, c'est vrai qu'on aurait aimé être un peu plus dans la magie. Et je pense que du coup, on avisera pour les années qui vont suivre en faisant peut-être un petit voyage ou en louant peut-être un petit chalet à la montagne pour fêter Noël en famille, peut-être pas à la maison du coup. Pour le coup, hein, Romain, t'en penses quoi?
Je t'en avais déjà parlé, mais peut-être fêter Noël plutôt à la montagne, etc. Parce que ça a 2h30 seulement de la maison. Ouais. Pour les années qui vont suivre, ça pourrait être cool. Hein. Ça peut faire un on peu pourrait se faire... Ouais, en plus, comme c'est qu'à 2h30, tu sais, ça peut être un petit rituel. Ou un petit... ça devient un petit... une petite tradition. Ou genre, on part tout le temps en famille quelque part. Il y a New York aussi. Non, pas New York. C'est magique. Non, mais juste être à 2h de la maison, tu vois. Rentrer le lendemain à la maison, ouais, juste passer un week-end. Je sais pas, parce que moi je veux quand même qu'on ait notre sapin à la maison, mais genre on s'offre 2-3 cadeaux le soir et puis on rentre à la maison et le Père Noël est passé, je sais pas, ça pourrait être cool. T'en penses quoi? Je sais pas. Tu sais pas? C'est vrai qu'on a toujours eu l'habitude, on adore se lever au petit matin, et ça Romain il kiffe trop, se lever au petit matin et trouver les cadeaux au pied du sapin. On fait tout le temps ça, on donne jamais les cadeaux le soir, c'est toujours au petit matin, et on aime ça, on aime trop ça. C'est toujours... le petit truc, la petite carotte qui a été grignotée, les petits biscuits qui ont été mangés par le Père Noël. C'est toujours quelque chose d'assez agréable à vivre. Enfin bref, on a beaucoup blablaté aujourd'hui. J'avais des petites choses à vous raconter. Je suis désolée, le vlog, ça a été beaucoup du face caméra aujourd'hui. Mais ce week-end, vous allez avoir un vlog de week-end plutôt sympathique. D'ailleurs, on a récupéré notre GoPro, donc on va pouvoir vous refaire des plans plutôt sympatoches. Donc on a trop hâte. Je vous fais un gros bisou. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et ciao ciao.